comment se débarrasser de la graisse du ventre. Gros ventre, la graisse abdominale est l'un des problèmes de santé les plus courants chez les personnes, car elle apparaît de manière significative chez les femmes et les hommes, mais sa proportion augmente chez les femmes, elle rend le corps ennuyeux et nocif, et pour s'en débarrasser, de nombreuses personnes ont recours à des systèmes alimentaires et à des régimes alimentaires difficiles. Mais n'éliminant pas, il leur est nécessaire de manière permanente, mais pendant un certain temps, quand il s'accumule à nouveau lorsque la personne revient à ses habitudes alimentaires antérieures, et il est donc nécessaire d'utiliser des méthodes naturelles et des recettes qui les éliminent définitivement, et dans cet article, nous allons apprendre à se débarrasser de la graisse du ventre. Cause de la difficulté à brûler la graisse du ventre. Le vieillissement provoque un changement dans la combustion des graisses, ce qui conduit à une combustion lente des calories. Manque d'intérêt pour faire des exercices d'aérobie. Il est toujours recommandé de faire des exercices d'aérobie afin de se débarrasser de la graisse du ventre. Manger des aliments qui empêchent la dissolution des graisses, comme les pâtisseries, en particulier après y avoir ajouté du sucre, ainsi que manger de la viande transformée, provoque l'accumulation de graisse abdominale. Exposition à l'anxiété et au stress, car cela conduit à augmenter l'hormone cortisol, ce qui entraîne une combustion lente des calories. La présence de certaines maladies chroniques, en particulier les maladies thyroïdiennes qui entraînent des déséquilibres hormonaux. Manger des aliments qui contribuent à brûler les graisses, comme le café, les aliments épicés, les jus artificiels et les pommes de terre. Éliminer la graisse abdominale de la manière la plus simple et saine. Il existe des remèdes naturels pour se débarrasser des graisses. Manger du chocolat noir. Le chocolat noir contribue à réduire le désir de nourriture d'une personne, et contribue ainsi à la perte de poids et à l'élimination de l'excès de graisse, car il peut être consommé comme collation, ou il peut être remplacé par le petit déjeuner. Cela limite l'appétit d'une personne pendant de longues heures pendant la journée. Jus de citron, le citron. Reconnu pour ses vertus détox. Cet agrume facilite la digestion et participe au drainage des toxines, il diminue aussi la rétention d'eau pour un ventre encore plus plat. Il contribue à réduire le niveau de sucre dans le corps et aide à réduire le taux d'insuline dans le pancréas, car il augmente le taux de réaction chimique à l'intérieur du corps, et joue ainsi un rôle majeur dans la combustion des graisses accumulées dans la région abdominale. Des études ont prouvé que le boire avant de manger en 10 minutes, le poids est réduit de 3 kg par mois. La tisane au citron. Pour réaliser cette tisane, pressez simplement le jus d'un citron dans de l'eau chaude et laissez infuser. Pour plus d'effet, buvez-la dès votre réveil pour optimiser ses actions, ajoutez du miel ou du gingembre. Cette tisane au citron permet de brûler naturellement les graisses. Elle est donc bénéfique pour éliminer les graisses présentes au niveau du ventre. Gingembre et cannelle. Cette recette est l'une des recettes maison naturelles les plus importantes qui contribuent grandement à se débarrasser des graisses accumulées dans le corps, en particulier dans les fesses et l'abdomen, et cette recette est utilisée en plaçant une tasse d'eau dans une casserole profonde à feu doué en ajoutant une cuillère à soupe de gingembre moulu et une cuillère à soupe de la cannelle et ajouter un demi-citron et bien mélanger les ingrédients pendant 5 minutes et le laisser pendant 10 minutes jusqu'à ce qu'il bouillonne complètement. Puis retirez le pot du feu, et le laissez pendant 10 minutes, jusqu'à ce qu'il refroidisse complètement, et boire la tisane en 3 fois par jour, avant de manger les repas principaux. Le thé vert et l'amande verte est l'une des herbes fortes et efficaces pour brûler les graisses et s'en débarrasser. Elle contient également des substances antiseptiques qui aident à se débarrasser de toutes les toxines et germes dans le corps. Cette boisson peut être préparée en plaçant une quantité adéquate d'eau dans une grande casserole à feu moyen et en ajoutant une cuillère à soupe de thé vert frais, une cuillère à soupe d'écorce, de grenade écrasée, et une cuillère à café de l'amande verte, fraîche, et laissez-le pendant un quart d'heure jusqu'à ébullition complète, puis retirez le pot du feu, laissez-le de côté pendant 5 minutes, jusqu'à ce qu'il se détende un peu, puis filtrez-le et buvez la boisson chaude 3 fois durant la journée. La tisane aux feuilles de laurier. Elle rétablit le transit intestinal et déloge les graisses du ventre. Pour la préparer, voici les ingrédients nécessaires: 1 litre d'eau, 5 feuilles de laurier et de sauge, 1 cuillère à café de cannelle en poudre. Une fois ces ingrédients réunis,
Faites chauffer l'eau jusqu'à ce qu'elle boue. Ajoutez ensuite les feuilles de laurier et de sauge, puis la cannelle. Laissez sur le feu 10 minutes et retirez les ingrédients. Laissez votre tisane refroidir avant de la déguster. Buvez votre tisane tous les jours, de préférence à jeun, et pendant 5 jours consécutifs. Ses effets seront ainsi plus importants. Jus de pastèque. Où il se distingue par sa richesse en eau, et contribue ainsi à hydrater le corps, et régule également le métabolisme dans le corps, ce qui à son tour, le corps perd beaucoup de calories, et dissout la graisse accumulée dans la région abdominale. Jus d'ananas. Il est considéré comme l'une des boissons les plus efficaces pour éliminer l'abdomen proéminent et améliorer la digestion dans le corps, en raison de sa teneur élevée en bromélaïne, qui est l'enzyme responsable de la dégradation et de la destruction des protéines, et il est également possible d'y ajouter une demi-cuillère à soupe de graines de lin. Il a prouvé sa grande capacité à se débarrasser de ses graisses. Exercice pour se débarrasser de la graisse du ventre. Exercice de stress, nous plaçons nos mains de manière à ce qu'elles soient parallèles aux épaules, et nous resserrons les muscles du dos et de l'abdomen en tenant compte du fait que le dos est droit, et nous restons dans cette position pendant 20 secondes avec une respiration profonde. Exercice de levage des jambes. Allongez-vous sur le dos avec les jambes droites, puis placez les mains là où elles sont sous le dos, et inspirez avec chaque jambe levée pour former un angle droit avec le reste du corps, puis expirez avec les jambes lentement placées à une hauteur d'environ 20 cm depuis le sol. Répétez l'exercice 10 fois, en augmentant progressivement à chaque fois. Conseil pour se débarrasser de la graisse du ventre. 1. Mangez plus de légumes et de fruits et de jus naturels. 2. Buvez beaucoup d'eau quotidiennement. 3. Dormez suffisamment la nuit. 4. Évitez de manger des sucres, des aliments gras et des boissons gazeuses. 5. Ne pas manger de collation entre les repas principaux. 6. Ne pas dormir juste après avoir mangé. 7. Faire de l'exercice quotidiennement pendant au moins une demi-heure.